Bonjour Florent Moragas, des éditions Odonata. Bah, bienvenue sur Guéréplon. Je crois qu'on avait eu l'occasion de discuter un petit peu, mais par écrit, il me semble, on avait fait des interviews textuelles. Oui, on a pas mal échangé. Ouais, on a pas mal échangé quand même. Donc tu vas nous présenter en premier lieu, toi, comment tu es arrivé à faire du jeu de rôle et comment tu es arrivé à devenir éditeur de jeu de rôle et créateur de jeu de rôle, parce qu'on va parler de tout ça. Oula, on parle de tout ça. Vous avez 2h30. Non. Le temps de la batterie. Le temps de la batterie, d'accord. Moi, je suis venu au jeu de rôle parce que j'avais envie de faire un jeu sur les insectes. J'avais une chose envie de le faire. J'avais envie de vivre l'aventure complètement, de créer le jeu, d'être directeur artistique, de porter le jeu. Je l'ai fait avec une association au départ et puis en portant beaucoup de casquettes. Mm-hmm. Et puis peut-être que le sujet aussi, donc Insectopia, il y a 7-8 ans, était plus difficile à faire parce que faire un jeu de rôle sur les insectes et sans dé, au début c'était compliqué d'être suivi et puis les éditeurs ne nous suivaient pas trop, donc je suis devenu éditeur un peu comme ça aussi. Et puis de fil en aiguille, donc après avoir fait Insectopia, j'ai fait avec Odonata Edition différents projets, donc les recueils de scénarios Insectopia, puis d'autres projets Omega, Sapinka, etc. Donc, dont on va parler. Mais bien sûr avec toute une équipe autour derrière qui crée, qui corrige, soit en freelance, soit en associatif, c'est créé toute un univers de créateurs et de personnes qui sont dans les projets. Mais ta passion, c'est pas un ex nihilo, ça vient de quelque part. Il y a bien un jeu qui a déclenché cette passion de jeu de rôle pour toi ou... C'est difficile à dire pour toi parce que c'est trop progressif pour ça. Moi j'ai le premier jeu de rôle, j'ai commencé à jouer à Donjons, j'ai joué les listes dans les héros, Donjons et Dragons. Classique, voilà, tu vois. Mais je jouais et après j'ai trouvé un groupe quand j'avais un troisième seconde, j'ai trouvé un groupe très très soudé et c'était le fait de jouer en groupe dans différents jeux. Mais on avait nos marottes, on avait donc l'œil noir. Moi j'ai été ce que j'ai maîtrisé, le premier jeu que j'ai maîtrisé c'était Warhammer. Donc Warhammer j'ai beaucoup maîtrisé, puis après d'autres jeux, donc les Secrets de la Septième Mer j'ai beaucoup maîtrisé, mais plus tard et voilà, tout un groupe, on a testé énormément de jeux, d'accord, voilà, donc Cyberpunk, VRTM, j'en passais des meilleurs, quoi, les jeux des années 80-90, début 2000, quoi. Mais après, après 2006, moi j'ai commencé vraiment à créer et à ne plus trop jouer avec des jeux déjà faits, quoi. C'est un peu dommage, mais. Tu peux pas tout faire. Et Insectopia, justement, c'est un jeu qui n'est pas du tout comme les autres, parce que nous, on a beaucoup apprécié quand on a découvert ce jeu. Si tu peux en dire deux mots aux spectateurs de notre chaîne YouTube. Insectopia, c'est un Metfan. Mais tu joues des super-héros miniatures. C'est un jeu d'intrigue et d'aventure, mais tu joues des super-héros qui sont miniatures, qui sont confrontés aux oiseaux, aux animaux, etc. Et qui ont des super-pouvoirs, ils volent, ils piquent, ils mordent, ils ont un exosquelette. Donc c'est un jeu qui est développé, qui est très fouillé, avec tout un univers, où on va décrire à la Tolkien un peu toutes les civilisations. Connu dans le monde d'Antoma. Ouais, ça fait une situation un peu anthropomorphique quand même. Les 20 peuples jouables griment finalement les différentes civilisations humaines avec leurs qualités et leurs défauts. Ouais. C'est un peu l'objectif. L'homme n'existe plus, mais on le retrouve. Ouais. Et en gros, c'est une confrontation entre ceux qui croient au dieu animiste, à la nature, et ceux qui croient au culte des anciens dieux, aux humains, qui, pour les faire revenir. Enfin, voilà, c'est une confrontation entre la technologie et la religion monothéiste et puis la nature. Voilà. Normalement, c'est ça. Après, tu peux jouer les uns comme les autres. C'est quoi, de l'expo, de l'intrigue politique? De l'exploration du Metfan un peu classique, mais après, tu as de l'intrigue politique et de la découverte des insectes, du milieu des insectes, du monde imaginaire qui est placé, avec du fantasmagorique, avec de l'horreur, avec. Tout ce qui représente, tout ce qui est dans le Metfan, mais avec des jeux d'intrigue politique aussi. Avec sa propre cosmogonie. Avec sa propre cosmogonie, chaque peuple a des préjugés sur les autres, les uns et les autres. Donc tu vas jouer
Un peu comme quand tu joues au Seigneur des Anneaux, quoi. Hein, tu vois, tu joues un nain, un elfe, voilà, ça grime l'humanité. En même temps, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, tu blagues entre joueurs, voilà. Mais là, la menthe religieuse, elle mange les autres. Ah, c'est pas bien de manger les autres, hein. Tu dois pas manger les autres. Par exemple, et puis la punaise, elle s'occupe de l'argent, du commerce. Ouais. Donc, voilà, il y a des jeux comme ça de, où on se peut, dans des archétypes, on peut rentrer facilement pour jouer. D'accord, il y a des archétypes qui permettent même quelqu'un qui connaît rien pour rentrer. D'ailleurs, quand on parle, il est très visuel, cet opéra. Il y a beaucoup de choses quand même. Déjà, tu avais réfléchi à la charte graphique, au visuel, etc. Quand tu as. Moi, je suis auteur, mais je suis directeur artistique sur le projet. Et quand j'ai fait mais je l'ai fait avec une association, avec des amis qui m'ont aidé à créer tout ça. Ils m'ont conseillé, voilà. Moi, quand j'ai pensé le graphisme, je voulais faire beaucoup de choses. Mais la problématique des Sectopia, c'est que c'est un monde imaginaire, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il fallait beaucoup illustrer pour montrer ce que c'était. Ouais, bien sûr. Donc, ça a été beaucoup illustré. Et la charte graphique, a été pensée... imaginaire, mais avec un côté Medfan assez proche, et puis arriver à mélanger justement l'insecte et les cadres du médiéval fantastique. Ouais. Tu vois, c'était ça l'objectif. Quoi. Tu vois, ça a été le souci. Ouais. Savoir comment tu places entre l'insecte et l'humanité, quoi. Voilà. Comment tu représentes les personnages. C'est un peu le challenge. Ouais. Bah, avant de parler de la nouvelle édition, on va parler d'une des originalités de la première. Les spécificités, c'est sa mécanique, qui est quand même très particulière. Donc, si tu peux nous en dire deux mots, pourquoi avoir choisi cette mécanique, justement? Alors, je n'ai pas mon sachet de blatte ou mon sachet de diode. On fera des essais. Pour Omega, voilà. C'est le même système, hein, mais bon, les deux aujourd'hui se jouent avec des dés aussi. Tu peux jouer avec des dés. C'est le même système, voilà. Donc, c'est un sachet de billes de couleur. Il y avait 42 pastilles de couleur dans le sachet, autant d'échecs que de réussite. Et donc, on pioche dans le sachet noir échec critique, blanc échec, bleu réussite, vert réussite améliorée, rouge réussite critique. Et donc, on compare les compétences ou les caractéristiques ou avec un niveau de difficulté. On tire un nombre de diodes ou de blattes. Et donc, on choisit la meilleure, celle qui est le plus. Voilà. Si on a une rouge, tant mieux, on fait une réussite critique. C'est pareil avec des dés et avec les faces. En fait, on remplace les couleurs par les faces. Oui, et en jetant un nombre de dés. Alors, pourquoi avoir fait ça? Parce que. Ben, c'était déjà original, tu vois, un truc d'insecte, voilà. Donc il fallait, moi j'avais envie d'avoir un système original et de sortir du dé et d'avoir quelque chose de visuel. C'est l'école avec le groupe d'amis où j'ai appris à jouer au jeu de rôle, où on jouait de manière très, c'est-à-dire on était très porté sur l'action, mais aussi sur le rôle qu'on avait, la narration, voilà, la narration et l'action rapide, tu vois. On faisait des parties, tu vois, ça m'est arrivé de, tu vois, on faisait une partie, qu'est-ce que tu fais? Il fallait répondre, tu vois, dans la seconde. T'as pas vraiment, trop tard, je t'ai aidé, tu voulais esquiver, non, mais j'ai pas, bon, voilà, on rigolait parce que tu vois, c'était toujours dans un. Et on jouait vraiment dans cette tension, et la narration et la tension. Et je trouve ça super bien, moi, je trouve que le jeu de rôle doit vivre là-dedans. Et donc, le jeu de rôle d'Insectopia, c'est que tu es dans un sachet, t'as pas un dé avec un calcul, etc., t'as une couleur, tu tires, tac, tu sais que tu en tires deux, tac, tu le mets comme ça. C'est immédiat, tu le vois, le résultat, tu vois les dégâts que tu as, et tu peux te lever, garder un main, faire la narration, et tac, tu le mets, et donc, donc il y a une réussite critique, donc, ben, tu vas, il va se passer ça. D'accord. Et c'est bien parce qu'en se levant et en faisant ça, tu rentres dans la narration. Tu commences à expliquer et tu poses. Et suivant l'ordre de table, tu expliques ce qui se passe. Tu fais le tour de la table, donc qui se passe ça, nanana, et tu continues la narration. On ne se perd pas dans des calculs ou dans des choses comme ça. Ouais. Voilà, c'était ça l'idée. Ouais, d'accord. Ouais, du direct, quoi. Voilà, vraiment. C'était du direct, ouais. Voilà. D'accord. Après, il faut une petite maîtrise pour faire du direct comme ça, très rapide. Bien sûr. Mais voilà, c'est ça l'objectif. Ouais. D'ailleurs, on parlait de l'actualité de Sectopia, on va en parler parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps. Il y a une belle gamme qui existe déjà, mais il y a une deuxième édition qui arrive. Eh oui, voilà. Voilà, deuxième édition. Mais pourquoi? Pourquoi? L'Insectopia 1, c'est bien vendu. Ah oui. Et donc, plus d'exemplaires d'Insectopia. D'accord. Et donc... faire une réimpression. Oui, mais on a remarqué... Alors, il y a beaucoup de choses... En fait, dans les changements, essentiels, c'est la transformation de la magie qui...
qui était complexe, qu'on a simplifié D'accord. et qu'on a réussi à faire de manière plus, plus jouable et plus intuitive. Voilà. Et en rajoutant des jeteurs de sorts, deux jeteurs de sorts aussi, ce qui était prévu dans le livre de base. Voilà, ça c'est un challenge. Au préalable, je vais dire que les feuilles de personnages et les termes restent les mêmes, c'est le contenu qui a changé. Donc on a remodelé les capacités aussi, qui étaient déséquilibrées ou qui n'étaient pas logiques. Les compétences de combat qui n'étaient pas utilisées, c'était un peu déséquilibré ou mal compris, donc on a refait les compétences de combat pour que ça soit plus, plus dynamique et plus équilibré, que, voilà, que ça soit mieux, mieux équilibré. Compétences et les compétences aussi. Les compétences ont été remaniées, les capacités. On a intégré les nefs de transport également. Les nefs de transport aériennes qui, voilà, qui est une particularité du jeu. Voilà. On va de village en village sur des zeppelines qui sont poussées par les lules, par les libellules, l'évolution des libellules. Voilà ce qu'on a rajouté. Donc la magie, les règles ont été beaucoup transformées. Mais on a gardé, comme je te dis, tous les termes pour que ce qui est sorti. Les suppléments peuvent être utilisés. Les suppléments, voilà, c'est exactement le même terme, mais les règles changent. D'accord. Et aussi, ce qui est très important, c'est que on peut jouer avec des dés. Voilà. C'est on a intégré le fait de jouer avec des dés aussi. Ouais. Parce que, il y a des gens qui peuvent pas jouer sans sortir de leurs dés. Ouais. Donc, on a sorti Omega donc en juin 2022, donc il reprend les règles de Insectopia, mais directement là, on pouvait jouer avec des dés. Oui, tout à fait, je m'en souviens. Et donc en fait, dans Omega, on est passé à 30 diodes, on a réduit le nombre d'un sachet, et on joue avec des D10. Et bien là, c'est pareil, on a réduit à 30 blattes dans le sachet, et on joue avec des D10. Voilà, c'est le même système. Ça a été harmonisé. Au lieu de tirer des pastilles et y avoir des couleurs, tu prends des dés 10, tu jettes un nombre de dés et tu choisis le meilleur. Sachant que 1, échec critique noir, 2, 3, 4, 5, blanc échec, 6 et 7, c'est une réussite bleue, 8 et 9, c'est une réussite améliorée vert, et rouge, c'est 10, c'est réussite critique. Voilà. Tu peux jouer avec un des 10, on a des dés spéciaux aussi sur Omega. Voilà. Qui reprennent ça. Ça fait c'est des dés customisés. C'est pas obligé d'avoir des dés customisés pour jouer. Voilà. Non, tu peux jouer avec des dés. C'est assez classique. Tu as super bien fait la transition puisqu'on va parler d'Omega. Alors, allons-y. Alors Omega, on est dans le futur. Les humains sont mal barrés. Les humains sont mal barrés, mais en même temps, c'est un peu le sujet principal. Ouais. Puisque 5 firmes robotiques se partagent la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée. Et donc, ils partagent la Voie lactée. On joue dans une de ces 5 firmes et on joue une unité spéciale qui est un Oméga, qui est dans ce maelstrom d'énergie et de matière. On va jouer une unité spéciale qui a le pouvoir de comprendre et d'analyser les sentiments humains. Donc, et tu es envoyé en mission au contact de ces organiques, tu peux être infiltré, voilà. Et l'idée, c'est de servir ta firme, de combattre entre firmes dans le jeu et d'essayer de rester machine, finalement, et de ne pas virer du côté humain ou être déviant ou dissident, voilà. Ouais. Le jeu te prête à ça, en fait, voilà. Et tu restes dans la firme. Tous les joueurs doivent incarner des personnages de la même firme, alors ? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, les firmes ont vécu leur âge d'or. Et aujourd'hui, au 74e siècle, l'humanité a été chassée de la galaxie, la Terre a été détruite, beaucoup d'humains ont été mis en esclavage. Mais il y a des ressortissants qui reviennent, il y a des groupes terroristes qui reviennent nous embêter, quoi. Nous les machines qui contrôlons la galaxie. Et il y a une firme extérieure qui prend le contrôle d'autres firmes, de différentes unités, qui est en train de gagner du terrain. Il y a des extraterrestres qui gagnent du terrain aussi. Voilà. C'est un jeu de confrontation où tu joues des super machines. Là, tu joues une
une méga machine de guerre. Hein. Oui, mais toujours attachée à une espèce d'intelligence supérieure qui est une intelligence artificielle supérieure. Qui... Oui, qui est une méta-entité. Un peu une maman, quoi. Une maman, oui. Ça, c'est ce qu'on peut jouer. Toujours des machines avec... tu es rattaché à une maman et il y a 5 mamans différentes. Des firmes, en fait, qui ont une philosophie différente, à qui voilà, la conquête de l'univers, la destination du vivant, le contrôle du vivant ou l'utilisation du vivant, le marchandage. Et tu rencontres des extraterrestres, tu vas à la conquête, tu fais de la conquête spatiale, tu fais de la découverte spatiale, la confrontation entre firmes, le hacking. Voilà, on joue tout sur tous ces aspects dans le jeu. Voilà. Et tu peux changer de corps. De corps, oui. Ah, voilà, tu peux aller d'un corps robot ou cyborg à un corps de suivant l'émission. En fonction des circonstances, En fonction des circonstances, tu j'ai changé de corps, t'as un pote, tu changes de corps. L'idée, c'est d'avoir une multiplicité de choix aussi dans le gaming. Au niveau de la gamme, pour l'instant, il y a le livre de règles, tu as l'écran. Le livre de règles, l'écran avec des pubs de firmes, l'univers, le livre univers, le coffret en fait qui reprend le livre de base et le livre univers dans un coffret. Et on va, là, il y a la mise en page en mars de délivrer des missions. D'accord. Alors il y a missions initiales, il y a trois aussi scénarios. Et puis on a la souscription d'ailleurs, les recueils de scénarios Omega qui vont être en mise en page en mars et puis en correction avril-mai, impression et donc réception vers juin, fin juin, pour une douze scénarios originaux Omega avec des plans. Je tiens à signaler qu'il y a encore un gros travail visuel dessus. Il y a un gros travail visuel dessus. Voilà, on a des extraterrestres, par exemple les Quanes. Qui sont proposés. On a les firmes au départ avec les pubs de firmes. On a fait des pubs de firmes. C'est Jocelyn Grange qui a fait des pubs. Hein. Ouais. C'est pas n'importe firmes, qui. Puisque c'est des firmes, on a fait des pubs. Hein, voilà. Voilà, c'était rigolo. On a bien. On a fait des vaisseaux aussi. Les vaisseaux ont été designés. Il y a l'espace. Voilà. C'est. Non, il a vraiment son identité le jeu. Quoi. Oui. Le jeu a vraiment son identité. Voilà, ça c'est les Strachals, c'est les extraterrestres aussi. Ouais. Sympathique. Hein. Ils ont l'air un peu belliqueux. Oui, ils sont pas. Ouais, mais c'est des organiques, ils sont belliqueux. Ouais, dans le jeu, c'est ça. Les robots sont belliqueux aussi. Hein, mais j'ai fait un scénario justement où on parle d'amour et de paix dans un maelstrom de guerre. Le recueil des scénarios. Mon scénario, c'est ça. Ça pose un peu le. Les choses, voilà, relativiser. Bon, on a parlé d'Omega, on a parlé de Sectopia, qui sont des jeux qui sont bien assis, même s'il y a encore des choses qui vont sortir. Mais le gros projet en ce moment, enfin, ce qui avance bien, qui la souscription s'est bien passée, c'est Sapanka. Oui, alors, là, j'ai pas le visuel, mais bon, voilà. Tu vois, t'es une crustacean. Voilà. Sapanka. On va incarner. Des Samachak, des agents secrets de l'Empire Inca, qui sont donc en 1536 chargés de défendre l'Empire Inca contre les conquistadors, parce que les conquistadors sont arrivés, mais les dieux Incas sont manifestés et ont donné des pouvoirs aux Samachak notamment, mais à des prêtres, pour lutter contre les conquistadors, donc ces technologies contre la magie, dans cet univers historique, uchronique, où les Incas se défendent contre les Espagnols. Et en fait, on est dans un univers où c'est une uchronie, il y a de l'histoire, il y a la culture des Incas, c'est fait avec Éric Dubourg notamment, qui a apporté beaucoup d'éléments historiques, et avec Nurtor Lenoir et Laurent Courneau également, et Pascal Bourtois sur le scénario. Donc les deux que j'ai cités, donc Laurent et Nurtor ont apporté des éléments aussi je dirais plutôt fantasmagorique qui donne des aventures qui sortent de l'histoire. Donc on traite de mystères, les mystères des cités d'or, les mystères des civilisations perdues. On a aussi donc la lutte contre les conquistadors. Et puis le troisième point, donc c'est les aspects un peu les dieux ennemis, les momies incas, les aspects un peu
occulte hein, mm-hmm. qu'on peut rencontrer dans cet univers. Puisqu'il y a de la religion, mais il y a des religions mauvaises aussi. Mm. Voilà. Les joueurs sont amenés à jouer quoi, le type de personnage en fait ? Ah, tu joues un agent secret ouais. qui a un pouvoir qui a une origine et qui a été élu parce qu'il a le pouvoir d'avoir des pouvoirs divins. Mm-hmm. Tu en as un ou deux au départ, des pouvoirs divins, et tu as aussi un ou deux pouvoirs liés à un animal totem. D'accord. Donc tu peux te transformer en nuage ou mm-hmm. appeler des aigles, voilà, mm-hmm. tu as des animaux. Et donc tu joues à. Soit un guerrier, une courtisane, un éclaireur, ou un sorcier, mm-hmm. ou un chaman, mm-hmm. Voilà, dans cet univers, mais avec ses pouvoirs et ses particularités, ses différentes particularités. Alors, comme Insectopia, on a quatre caractéristiques qui sont très propres à l'univers, donc on a mm-hmm. dauphin, qui a agilité, on a le serpent, mmh. Bon ça c'est civilisation Inca, mmh. le serpent qui est l'intellect, ouais. aussi la magie, le puma c'est tout ce qui est l'athlétisme, le combat, et puis le quatrième que j'oublie, mais le condor, mmh. c'est tout ce qui est la relation, l'essence et les relations. D'accord, ok. Voilà pour le. La mécanique, c'est ton cœur, c'est des jets de dés. Alors, c'est un nombre de dés à 8 faces, ouais. avec des réussites explosives, des compétences. Ouais. Et tu ajoutes la caractéristique plus la compétence, tu jettes un nombre de dés, ouais. et tu as un niveau de difficulté. Ouais. Et tu as des dés explosifs. D'accord. Si tu fais 4, ça explose. Ouais. Et la gamme, elle est composée de quoi ? Elle s'en est où exactement au niveau de. Alors, on a le livre de base. Mmh. Le livre Tawantin Tsuyu, c'est l'histoire, enfin, c'est le. Le territoire, donc, avec des cris, avec les différents espaces, ouais. etc. Les différents espaces de cet univers Inca. Mm-hmm. La place des conquistadors qu'on a inventé, mm-hmm. avec des places. Puis des scénarios, des idées de scénarios, des idées de voilà, des éléments qui te font rentrer finalement ouais. dans l'univers. Et puis on a un recueil de scénarios. D'accord. Qui est financé aussi, mm-hmm. Tout ça dans la souscription, ça pas ouais. qui est en cours, mm-hmm. on a fait un late pledge, mm-hmm. voilà. Et donc là, on en est à toutes les illustrations ont été commandées, on envoie en correction. D'accord. Voilà. Donc on a fini le projet texte, mm-hmm. deux trois trucs qui vont changer, mais bon, voilà, on va. Surtout pour couper. Bon, c'est très difficile à chaque fois qu'on pose une question à un éditeur. Tu penses que ce sera prêt quand pour les souscripteurs? Ça sera prêt en septembre pour les souscripteurs. Ouais, en septembre. Ouais, d'accord. Ça okay. ouais. Et après, tu as prévu évidemment une sortie retail du produit comme tu as fait ou pas, en boutique. Ah ben là, oui, le jeu sera en boutique une ouais. fois qu'il est. Ouais. Moi, je suis distribué par Novalis. Ouais. Donc ça sera le même procédé. C'est le même procédé. Ouais. Bon, d'accord. Okay. Voilà. Et au niveau des visuels, au fait, c'est une équipe complètement différente parce que j'ai vu que les visuels étaient un peu plus lumineux. Chaque projet a ses visuels. En fait, c'est Gabriel Pardon hein, qui a fait Gabriel Pardon et Gabriel Bulic. Mmh. Donc Gabriel Bulic qui a fait la couverture, nouvelle couverture Insectopia. Oui, qui est bien différente, je trouve, au niveau de l'ambiance. Ça montre plus ce qu'est Insectopia, je trouve. Voilà. Et puis Gabriel Pardon qui a fait les humanoïdes, en fait les organiques, dans Omega. D'accord. Qui a fait la couverture de Sapinka et qui a fait différents éléments. Et puis on a aussi Maxime Tep qui a fait notamment Katz, qui avait fait la couverture de Katz. Voilà, donc trois illustrateurs, plus Jean Solingrange sur des différents éléments, des plans. Voilà pour les illustrateurs choisis. Pour une ambiance aussi, sur l'ambiance un peu plus. Entre la BD et le réalisme, mmh. et un peu plus mystérieuse, je dirais. C'est le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai. Ouais. Là, le sujet est plus mystérieux, voilà. Ouais, tu choisis aussi les illustrateurs en fonction de leur. De là où ils sont les meilleurs, en fait. Ouais. Voilà. Bah écoute, déjà, pour Donata, en si peu de temps, c'est quand même pas mal, non? Oui, ça bosse bien. Ça bosse. Florent, je te remercie d'avoir échangé avec nous. Oui. Merci à toi. T'as un bon festival, hein, si vous voulez venir. Bon, c'est trop tard, ça va passer après. Donc je dis n'importe quoi. Si vous voulez venir l'année prochaine, je serai encore. Voilà. Donc, écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne continuation, puis on aura l'occasion de se recroiser dans les couloirs. Et puis, avec plaisir. Bientôt, on parlera volontiers de Sapinka dès que le projet aura plus avancé. Voilà. Ok, mais merci à toi. À bientôt.
À bientôt.